Deinze werd er gevoetbald. Deinze Serin, uitslag 2-3. We praten daarover met beide trainers. Enerzijds met Reggie van Akker en anderzijds met Christophe Grégoire. Ik heb begrepen dat u in het Nederlands tracht te antwoorden. Nee. Bon, tout d'abord, si vous voulez donner votre analyse de cette rencontre, s'il vous plaît. Je pense qu'on a connu un match qui aurait pu basculer des deux côtés. Je crois qu'en première mi-temps, sur les 15 premières minutes, on était peut-être au-dessus. Et puis après, on a vu Dines pendant 30 minutes qui nous a mis beaucoup dans les problèmes. Et je pense que le pénalty raté a fait aussi beaucoup dans la tête des joueurs de Dines, parce que ça nous a donné un petit coup de boost. Et juste après, il y a deux occasions aussi pour Dines sur phase arrêtée qui nous pose problème et qui ne rentre pas. Donc je crois que quand tu arrives à rentrer à la mi-temps avec 0-0, je crois qu'on est déjà heureux. Mais on a eu la chance de débuter la deuxième mi-temps directement avec un but qui nous a vraiment, je pense, redonné de la confiance. Et je crois qu'à partir de là, on a sorti une équipe de Serein plus relaxe, qui profitait des contre-attaques, parce que Dines a aussi laissé plus d'espace parce qu'il voulait égaliser. Et je crois que par la suite, le match, il aurait pu aussi basculer des deux côtés, mais je crois qu'il a basculé d'une autre aujourd'hui. Merci. Over à Reggie. Als ik dat match bekijk, dan denk ik dat we vooral de eerste 15 minuten hebben moeilijk gehad. Dat we daarna toch wel de match in handen hebben genomen met kansen. Ja, zoals mijn collega zegt, als je penalty krijgt en mist, dat doet pijn. Maar ik denk dat er dan nog kansen genoeg geweest zijn om op voorsprong te komen. Want dat was toch de bedoeling om zeker niet op achterstand te komen. Maar ik denk dat we 3 fouten gemaakt hebben en dat er 3 keer op gescoord is. Ik denk dat wij van de tegenstander een lesje kunnen leren op het gebied van de foutjes iets vroeger te maken in het middenveld. En alerter, steviger te verdedigen. Als ik zie de goals die we pakken, de eerste positioneel, dan Arnois niet doordekken en daarna penalty maken, totaal onnodig. En dan is die center die komt dat hij niet in duel gaat. Allee, dat zijn dingen die je bij de tegenstander niet gezien hebt, die hebben dat correcter gedaan. Toch hebben wij ook nog 2 maal gescoord en nog kansen genoeg gekregen. Dus ik heb naar de groep toegezegd, kijk, wat moet ik nu zeggen? Je hebt een match gespeeld, je hebt ervoor gegaan, er zijn kansen geweest, niet omgezet. Maar we krijgen nu in de 2 laatste thuismatch wel 6 tegendoelpunten. Waar wij ervoor in de voorgaande matchen maar 9 binnenkregen. Dus dan moeten we het ons toch eens vragen stellen. Vous avez compris? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que, comme il l'a dit, je pense que Dines était la meilleure défense du championnat. Et sur les 2 derniers matchs, c'est vrai que Virton et nous, on est parvenus à mettre 3 buts. Je crois que pour nous, c'est aussi une satisfaction de pouvoir mettre 3 buts, justement, parce que nous, on n'a pas nécessairement le luxe en attaque. Et je crois qu'on a eu beaucoup de problèmes à justement concrétiser. Et quand aujourd'hui, on parvient à mettre 3 buts ici, ça aurait été dommage de prendre qu'un point, parce que je pense qu'à la fin de match, on aurait pu subir l'égalisation. Mais je crois que quand tu marques 3 buts en déplacement, surtout à la meilleure défense du championnat, il y a beaucoup de satisfaction à avoir. Et ça aurait été, comme j'ai dit, triste de ne pas gagner aujourd'hui. D'accord. Zijn er nog vragen? Favoriet van jou, favoriet van ons. C'est un supporter de standaard. Pas moi. Oké, dan kunnen we hier afsluiten, denk ik. Merci bien.